Donc, je lis le matériel et méthodes souvent pour m'inspirer soit des expériences qui ont déjà été faites, soit du style de rédaction. Et ça va arriver qu'il faut que je sache vraiment c'est quoi le design expérimental qu'ils ont utilisé pour être capable d'identifier clairement leur résultat en fait. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? En fait, je pense que c'est vraiment important de lire cette section-là parce qu'on peut voir si la recherche a été faite de manière rigoureuse, si c'est décrit en détail pour reproduire cette expérience-là aussi, c'est important. Puis aussi, ça permet de voir s'il y a un consensus entre plusieurs articles sur le type d'approche technique à prendre avec un sujet de recherche donné. Je vais la lire si ça me permet de comprendre les résultats. Des fois, il y a des résultats, je ne comprends pas trop exactement qu'est-ce qui a été fait, c'est quel groupe qui a été utilisé, pourquoi c'est comme ça. Donc, quand j'ai besoin de ça pour comprendre les résultats et la discussion, je vais les lire. Ou quand j'ai besoin d'utiliser cette méthode-là, en fait, globalement. Cette section-là, je la lis surtout et uniquement en fait quand c'est exactement ce que je recherche. Quand c'est pas vraiment ce dont j'ai besoin, moi ce qui m'intéresse c'est plus la partie discussion, je vais le lire en diagonale, cette partie-là. Mais quand j'en ai vraiment besoin dans mon cas précis, là je vais lire chaque petit point, tous les détails. En fait, oui, ça m'est déjà arrivé, mais c'est souvent, de mon expérience, quand c'est le cas, c'est en général parce qu'il n'y a pas assez de détails techniques dans la section méthode. Donc, même dans le matériel supplémentaire, des fois, ils n'en mettent pas assez, fait que c'est pas possible de refaire ce qu'ils ont décidé de faire pour l'expérience. Puis aussi, tout ce qui touche la bioinformatique, souvent, c'est pas assez détaillé, ce qui fait que on peut reproduire le design expérimental, mais dépendamment, c'est quoi le sujet de recherche, ça se peut qu'on ne puisse pas parce que ça prend des outils spécialisés qui sont pas spécifiés. Ça m'est déjà arrivé. Après, ma maîtrise, c'était surtout de la bioinformatique. Donc, j'ai pas eu trop ce problème-là en laboratoire, mais ça m'est déjà arrivé de voir des papiers où ils vont dire qu'ils vont utiliser un protocole, mais ils vont pas dire qu'ils ont fait une étape avant, en fait, qui était super importante. Et ils vont pas le mentionner pour pouvoir tout condenser. Et ça peut des fois être problématique parce qu'on sait pas que cette étape-là était nécessaire. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, c'était beaucoup des problèmes comme ça de script où ils vont pas dire l'étape d'avant qui a été faite. Des fois, ils vont dire le test qu'ils ont utilisé, mais pas forcément dire bah, qu'avant ils ont formaté de telle manière, ils ont normalisé des choses comme ça. Donc on ne sait pas forcément bah, comment l'appliquer.